Avant de commencer ce dernier vlog de l'année, je voulais vous faire une petite annonce concernant mes réseaux sociaux. Donc ça va pas être une grande annonce parce que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo bilan et objectif de l'année prochaine. Mais ce sont des choses dont j'aimerais vous mettre au courant parce qu'il y a eu quelques petits changements. Donc la première chose, c'est par rapport à Instagram. Donc maintenant, j'ai désormais deux comptes. Le compte Loi Song s'est transformé en Loi.studio et c'est un compte qui va regrouper tous mes projets professionnels et artistiques. Donc tout ce qui est illustration, projets en cours et à venir, c'est sur Loi Studio. Et ensuite, j'ai un deuxième compte qui sera le nouveau Loi Song, mais pour l'instant, il s'appelle Loi.mssn. Et ce compte sera plutôt axé lifestyle et vie en Corée. Donc du coup, si ces deux domaines de ma vie vous intéressent, n'hésitez surtout pas à aller vous inscrire. Les liens sont dans la bio. Et deuxième chose, à partir de janvier 2022, je vais passer mes vlogs en anglais, c'est-à-dire que je vais parler en anglais afin de toucher une plus grande audience. Parce que je sais que beaucoup de mes amis internationaux ne regardent pas de mes vlogs parce qu'ils ne le comprennent pas et qu'ils n'ont pas forcément envie de lire les sous-titres. Donc pour les personnes qui ne parlent pas anglais, je vais quand même mettre des sous-titres en français. Mais voilà, du coup à partir de janvier 2022, ça passera en anglais. Et de temps en temps, je vais aussi faire des vlogs en coréen parce que j'aimerais pratiquer la langue que je suis en train d'apprendre. Donc voilà, place au vlog. Hello! Comme par hasard, il y a les voitures qui passent à ce moment-là. Aujourd'hui, on est samedi 9 octobre. Et on se rend à la Busan Illustration Fair à Bexco. On a le soleil dans les yeux. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu. Bon, ça va être galère de tout filmer. Mais je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu le hall. Comment ça se présente. Et le stand de notre pote. Il y a plus de gens, mais c'est pas ouf. Ou alors il y a full, mais ils évitent notre stand. Bon bah 2 heures d'attente au moins. Alors, on a tout ça à attendre, toute la file jusqu'à derrière. Et ensuite ils nous font descendre pour rentrer à l'exhibition en bas. Hello! Alors j'espère qu'on va pas... Tu me fatigues! J'espère qu'on va pas trop entendre le bruit des gants parce qu'on est obligé d'avoir ça. Du coup, quand je tiens mon téléphone, le bruit est juste à côté du micro. Bref. Là on se fait une mini pause. On se fait une mini pause. Alors je suis désolée pour le cadrage mais je suis fatiguée. Ah merci. Donc du coup, je disais, on se fait une mini pause parce que c'est très fatigant de piétiner alors qu'il y a beaucoup de monde, il fait chaud, il y a pas mal de stands à voir et on a acheté bien les trucs. On fera un haul tout à l'heure quand on rentrera à la maison et qu'on aura mangé parce qu'on n'a même pas mangé ce midi, on est des folles nous. Il y avait un moustique énorme. Bref. Du coup, là, on va terminer un petit tour à la Busan Fair. Ensuite, quand on rentre, on vous montre tout ça. Et je sais pas quoi dire d'autre. Et voilà. Bye. Let's go! Ah, c'est là. Pas, vas-y.
Ça y est, on a plus de sous. Tellement. Je te jure, quand je tenais tes sacs tout à l'heure et que tu prenais la photo, il y a un gars et une fille du stand de derrière. Ils ont regardé tout ce que je tenais parce que du coup, je tenais aussi tes affaires. Et ils ont fait. Il y a des gens riches. Je l'ai acheté combien de trucs? Je suis fatiguée. Moi aussi. Cette journée était très longue. Bon, du coup, on revient comme prévu à la maison, après avoir fait des courses, après avoir mangé, pour vous faire un haul de ce qu'on a acheté à l'illustre... au salon de l'illustration de Poussin. J'ai du mal à parler français, c'est tellement pénible. On avait une amie qui exposait du coup au stand. Moi, je devais aussi le faire, mais je vous avoue que j'avais pas trop les moyens de payer le stand. Donc du coup, ce sera certainement l'année prochaine. Et du coup, on a acheté des petites choses au stand de notre amie et de son amie à elle. Et... ouais, j'avoue, ça va être un peu long. Ça va être long, hein. C'est la linogravure. Donc ce qu'on avait fait dans notre précédent vlog, on lui a acheté ça. On lui a toutes les deux acheté des stickers chiens qui pètent. Un poster canard. Convenience store avec des monstres coréens. Là les monstres coréens dedans. Oh, oh, oh. Et elle a aussi du coup la poche de stickers qui va avec. Et du coup chez sa pote, oui, ce qu'on a acheté, j'ai acheté une grande affiche. Oui, vous allez voir que mon style est très défini. Hein. Un peu trash, un peu gore, un peu... Un peu dark, comme son âme de Winnie l'ourson. Et il y a des écritures derrière. C'est des histoires ou des poèmes? Des poèmes, je crois. Ouais, c'est des poèmes. Trop, ouais, trop. J'avoue, dès qu'on l'a vu, on était... Le meilleur pour la fin. Nous on a dit que c'est vraiment pas. Ah, oh non, j'en ai pas. Non, tu peux pas m'oublier, moi aussi. Je dors avec cette nuit. Après, concrètement, je pense que moi aussi, mon coup... Ah, je sais pas. Bon, il y a celui-là, déjà. Mais tu peux pas en choisir qu'un seul. Et ensuite... celui-là, je l'aime trop. Et en plus, elle a galéré à le faire. De ouf. Ce genre de dessin, tu peux les regarder pendant je sais pas combien de temps pour avoir tous les détails. Hein. C'est trop drôle, tu découvres encore des trucs. Moi, c'est surtout l'air de l'albacin, du gars qui est en part-time job. Oh, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi c'est quoi tout ce bazar là? Il va falloir que je range. Non, la tête du gars qui veut rentrer dans le furniture. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est moi en ce moment.
Sur ce. Bon les amis, je crois que je vais finir cette journée ici. Et on se retrouve demain pour l'anniversaire de cette demoiselle ici présente. Hé. Hey. C'est moi. C'est moi. Respecte le script un peu enfin. C'est moi. Non mais bon. J'étais en train de regarder, mais regarde le tas que j'ai acheté quoi. Ça c'est le tas de Kim. Et ça c'est mon petit tas. Oh mais est-ce que je vais avoir assez de place dans ma chambre pour tout coller? Oui. Bah non mais regarde, il y a un grand mur là. Grand mur, vide. Frigo encore un peu vide. Ce mur, vide. Cette tête, vide. Bon, bonne nuit. À demain. Thank you for having us. Is it going out? Yeah, go for it. Corona. Huh? Oh. Happy birthday. But last year, 25. No, 37. But last year. No. You know. Happy like, birthday. Harry Potter. Harry Potter. What did you say? But Harry Potter. Last year. I'm 37. Yeah. Wow. 눈을 감자. What is it? What is it? It's. Oh my god, the rainbows! You're right. So good. You're right. You got it. Yeah. Did you get it? Je te demande. You know the. 송풍기? 송풍기. 송풍기 커버. 그냥 근데 풍이야. 땡큐. 내가 I wanted to do 26 presents but it's too much so I just stopped. 푸다 푸다. 푸푸푸. 아 진짜 아니? 오늘 나 안 왔어. 인형 개티 봤다. 역시 민유 민유 좋다 민유. 울지 마 울지 마. 야. 퍼즐. We spent days and days. Oh shit. That's me, that's Nina, that's Louis. That's you. And then that's you. Thank you. Okay.